deuxième vidéo de la journée à la Châtre. Et là, je suis monté donc du coup dans une Toyota Yaris, une GR. Je vous remettrai exactement la description, mais c'est un 3 cylindres qui fait 260 chevaux en 4 roues motrices. Et puis je vous mets la vidéo, mais le titre de la vidéo n'est pas putaclic, hein. Franchement, on va peut-être pas le voir au niveau des sensations, mais ça m'a un petit peu tordu les boyaux dans tous les sens. Et vu que c'est en 4 roues motrices, donc là c'était réglé sur 30 à l'avant et 70 à l'arrière pour qu'elle parte un peu plus en drift. Mais vous verrez qu'au final, ça propulse à chaque fois qu'il raccélère, et vu que c'est un 3 cylindres, c'est du direct. Donc je vous mets l'extrait maintenant et je vous dis à bientôt. Ça vire à plat et tout. Bon, je trouve que ça penche quand même. Ah ouais? Ouais. Oh, punaise. Ah oui, d'accord. La nervosité du 3 cylindres, on la sent tout de suite. Ouais. Quelqu'un derrière, je le fais chier. Tu peux pas rouler très vite et être très performant. Ouais. On sent que ça propulse même. Ah, faut rentrer. Qui ça? J'ai un drapeau rouge, je sais pas. Je sais pas si c'est nous ou la voiture bleue. Ou si c'est les monoplaces qui tournent. Ouais, j'ai l'impression que. Ah oui, c'est tout le monde qui rentre. Ouais, dommage. Ah, je pourrais pas faire une super glisse, ça va, désolé. C'est pas grave. J'ai vu que la Clio arrivait derrière, alors je voulais pas le chercher. Celle-là, elle était bien. Et ah, là, mais c'est là un gars qui s'est en sorti. Ah, oui, d'accord, ok. Ouais, d'accord, je comprends. Lui, il fait n'importe quoi. Ah ouais? N'importe quoi. Mais c'est incroyable comment elle se met en. Comment elle se met en traverse ici, là, dans ce virage-là, et qu'avec le 4 roues, vous arrivez à la replacer. Ouais. Bah après c'est faux. Tu fais un transfert de masse sur l'avant. Ouais. Donc t'as plus de poids sur tes roues arrière. À ce moment-là, tu donnes un petit coup de volant. Et là le QI part tout de suite parce que t'as tout ton poids sur l'avant si tu veux. Ouais, ouais, ouais. Et, tout à fait. Et après, tu gères la dérive avec l'accélérateur, quoi. La base de pilotage, elle reste à peu près identique sur chaque voiture, sauf que d'un châssis à l'autre, faut réadapter. L'entrée de virage, que t'aies une traction, une propulsion ou une 4 roues, elle est pareille. Ouais. Après, au milieu et à la sortie, c'est pas pareil.
ça donne une idée. Ouais, ouais, grave. Voilà, il y a génial. Risqué, hein. T'as aimé? Ouais, merci beaucoup. Je t'en prie, avec plaisir. Et au niveau de la carto, est-ce se reprogramme au niveau de l'équilibrage du train, mais au démarrage ou pas pendant non, que vous roulez? Roulette. Ah t'as... ouais, pendant que vous roulez, là, vous ouais. pouvez la régler. Putain, c'est incroyable. Trois positions. La chance port. Normal, c'est 60 à l'avant, 40, 60 à l'avant, 40 à l'arrière. Et track, c'est 50-50. D'accord. Ben, ça donne chaud. Hein. Ouais, ouais, ouais. Bon, ben, je suis bien content si ça t'a plu. Ah ouais, non, c'est incroyable. Ben, je m'attendais pas à ça, en fait. Enfin, ah bon? Ah non, franchement. C'est-à-dire
Bah, c'est encore mieux que ce que je pensais. Ah bon? Enfin, ah ouais, en tant que passager, c'est mieux que d'y voir passer? Ah, c'est pas la même sensation. Ouais. C'est pas la même sensation. Là, on a la banane quand on est à côté. Quand on est à l'intérieur, on se dit bon, ça passe, t'avais ça passe peur, pas. Ouais, ouais, ouais. Bon, après, je savais que vous alliez, vous aviez. En fait, après, un tête à queue, tu sais, c'est pas. Tu peux faire un tête à queue, c'est permis. Hein. Mais c'est un vrai kart, quoi. Ça tient vachement bien le parking.